Et salut à tous, c'est Chris Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, c'est une vidéo très spéciale. Je dois vous parler par rapport à mes lives. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche ici les potes. Let's go! Donc il y a eu certains abonnés qui m'ont dit pourquoi je ne fais plus de rassemblement et pourquoi je ne fais plus de liste d'activités. Donc les amis, c'est très simple. Pour les rassemblements, c'est le fait que à l'époque je faisais beaucoup de rassemblements, qui veut dire rassemblement de voitures, rassemblement tout terrain, rassemblement de motos, etc. Mais là, j'ai décidé de supprimer les rassos sur ma chaîne YouTube, car Rockstar a supprimé l'éditeur Rockstar sur la PS4, qui veut dire qu'à l'époque, c'était vraiment un plaisir de faire des rassos, car je faisais des clips, qui veut dire qu'on faisait des souvenirs. En mode, j'ai passé dans cette vidéo, dans le clip. Ah, c'est moi dans ce clip avec la voiture, tu vois, en mode des souvenirs. Mais là, franchement, je ne suis plus du tout intéressé du rasso et j'ai décidé de le supprimer tout simplement. Ensuite, pour les listes d'activités, c'est très simple. Sur les listes d'activités, c'est parce que le fait que je faisais beaucoup de listes d'activités, qui veut dire beaucoup de face-to-face, beaucoup de méga rampes, beaucoup de parcours, etc. Je me suis dit qu'il y a un truc qui manque. Et du coup, à l'époque, je vais pas vous mentir, il y a eu un mauvais rencontre. Et je vais pas vous mentir, hein. C'est un rencontre que j'ai quand même kiffé. Mais là, je regrette un peu d'avoir rencontré. Donc, il veut dire, vas-y, j'assume. Maxotim. Maxotim, à l'époque, on se connaissait pas. Genre, il faisait des lives de farm. Et du coup, moi, qui est une personne qui aime beaucoup les farms, regardez bien mon argent. Donc, voilà, je farmais beaucoup. Et du coup, j'ai dit, GG, continue comme ça. Je donnais de la force sur son live. Et du coup, c'est comme ça, on s'est rencontrés. Et ensuite, il y a eu des problèmes à gauche, à droite. Il était jamais là pour les vidéos, etc. Et du coup, je me suis dit, non, c'est bon, c'est terminé, j'arrête tout. Il était jamais d'accord de mon propre sujet, il voulait mes propres idées. Je vais pas vous mentir, hein. Il y avait une idée où je disais on va faire qui de nous trois a le plus beau véhicule avec un budget de 10 000 $, 100 000 $, etc. Mais j'ai vu sur sa chaîne qu'il a fait qui de nous deux a le plus beau véhicule avec son ami avec un budget de 10 000 $. Du coup, qui veut dire que il a volé mon propre idée. Et je me suis dit que non, c'est bon, j'arrête tout. Ensuite, il est venu de temps en temps sur mes lives, etc. On a joué comme d'habitude, hein. Comme voilà quoi. Il y a pas longtemps, il a joué avec nous dans Ni Oui Ni Non. Et après, j'ai vu qu'il y a eu des abonnés qui ne veulent plus du tout. Je me suis dit, d'accord, il n'y a pas de problème, j'arrête tout. Parce que c'est grâce aux abonnés qui m'ont ouvert les yeux en disant fais attention, Chris Boy. Car ils ont l'impression que Maxotim vole ma chaîne. En mode, il coupe tout le temps ma parole quand je parle. Il y a tout un des trucs qui n'allaient pas. Bref, ensuite, par rapport à mes listes d'activités, je me suis dit que j'avais un peu marre de faire que des listes d'activités. Je veux un truc qui pique sous mes lives. Un truc de divertissement, du délire. Je veux un truc what the fuck. Je veux un truc qui fait vraiment du funny. Et du coup, on a réfléchi. Et on n'avait pas d'idée pour le moment. J'avais pas d'idée. Et du coup, j'ai rencontré Hermika et Tuki, hein, qui est la team Chris Boy officielle. Et j'ai bien dit officielle, hein, c'est pas pour rien les potes, hein, c'est la team officielle. Du coup, on s'est rencontrés sur les Vogue, etc. On a discuté sur Insta et tout. Et franchement, c'est vraiment un kiff. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne les potes, franchement. C'est les kings les potes, c'est grâce à eux et c'est grâce à vous qu'on évolue. Donc franchement, gros cœur sur vous. Donc ensuite, comme je disais, que j'ai rencontré Hermika et Tuki, on a décidé de discuter, etc. Et j'ai raconté que il y a un truc qui me manque sous mes lives. En mode, j'ai un peu marre de faire que des listes d'activités. Et je veux un truc qui change, qui veut dire qu'avant, sur les listes d'activités, on faisait que des face-to-face, méga ramp parcours. J'avais un peu marre de ça, parce que petit à petit, on a un peu marre qu'on fait que des activités. Du coup, on a discuté, et là, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas de concept?
Du coup, on s'est dit, vas-y, on fait des jeux, mais en mode libre, qui veut dire, on joue avec vous les abonnés, on joue avec vous les potes. Donc, on a discuté pour dire quel type de concept qu'on met. Du coup, tout d'abord, on s'est dit, vas-y, on met police et voleur, cache-cache, véhicule avec les abonnés. Ensuite, il y a eu des activités qui ne changent pas. Hein, donc, on va dire, on fait une activité chaque semaine. Donc, ça ne change pas parce que c'est un truc qui est quand même un peu la base de GTA V. Ensuite, on s'est dit, il y a un truc qui manque dans les concepts. Du coup, il y a eu Chichi qui a eu une idée. Et c'est grâce à Chichi que le concept, les abonnés aiment vraiment, qui est Vigilante versus Joueur. Ah, ça, il y a eu plein de personnes qui aiment vraiment ce concept. Hein. On est à l'aéroport avec le Vigilante et on pousse le joueur. Franchement, c'était un kiff. Ensuite, on a continué à réfléchir par rapport à avoir plus de concepts. Je me suis dit, vas-y, on fait du ni oui ni non. Du coup, on a réfléchi, on s'est dit, vas-y, on fait du ni oui ni non. Donc, on a fait et on s'est dit que pour ceux qui possèdent une chaîne YouTube, dites-moi dans les commentaires, les potes, parce que comme ça, vous pouvez participer pour le ni oui ni non. Parce qu'on s'est dit que pour le concept de ni oui ni non, on invite un abonné. Qui veut dire, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, on l'invite. Donc, là, pour cette semaine, qui veut dire ce week-end, ce sera DJ qui sera l'invité. Et par cas, il a une chaîne YouTube et il est vraiment d'accord pour faire le ni oui ni non. Qui est celui qui perd à un gage dans un jeu vidéo et en live. Donc franchement, c'est what the fuck qui est un kiff réellement. Du coup, on a continué à discuter en disant que les amis, il faut qu'il y ait quelque chose qui a plus de concepts. Du coup, on a réfléchi, on s'est dit, allez, cache-cache en mouvement qui va arriver très bientôt. Il y a cache-cache. Qui est cache-cache tout simplement, hein, qui est cache-cache en mode avec les joueurs, tout simplement, ils se cachent, etc. Donc, qui va arriver très bientôt. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver, les potes. Qui veut dire que moi, je suis une personne et un personnage qui aime vraiment des lives, what the fuck. Parce que moi, je peux pas faire des lives et je ne parle pas. Du genre, en mode, salut les potes, après, boum, je parle plus, après, je parle un peu, après, je parle plus, non. Moi, quand je parle tout court dans mes lives. Je peux pas arrêter de parler. Donc, du coup, pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà comment je suis. Hein. Moi, je suis une personne qui aime vraiment beaucoup le délire, beaucoup le fun et beaucoup de rage. Hein, parce que quand je fais des lives, les potes, franchement, vous me tryoutez la gueule. Hein. Je vais pas vous mentir, vous me tabassez. Et franchement, c'est un kiff. Hein. Bon, c'est un kiff, mais façon de parler, hein, ok. Prenez pas en mode ouais, il aime vraiment se faire défoncer, vas-y, on va que le défoncer. Non, 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 non. Moi, je suis une personne qui aime délirer, mais ça, enfin, ok, les potes, c'est bon. C'est déjà beaucoup pour moi là. Donc, comme je disais, moi, je suis une personne qui aime vraiment s'amuser dans les lives. Comme si vous voyez comme là, c'est écrit on discute chill, bah, c'est pas vas-y, on va juste parler tranquille. On parle tranquille, certes, mais il y aura du délire quand même, vous connaissez déjà. Il y aura toujours du délire. Même si je suis tout seul, vous savez très bien qu'il y aura toujours du délire. Et franchement, vous me connaissez. Et en plus, si vous voyez que je suis en session publique et en live, c'est Deadpool, hein, les potes. C'est Deadpool. Donc, il veut dire que c'est du combat, du fight, du tryout. Il y a tout. Donc, vous connaissez très bien, les potes. Vous me connaissez vraiment très, très bien. On est à 73% non abonnés. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, les amis. Je force personne, hein. Je ne suis pas un forceur. Mais là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça fait vraiment très plaisir. C'est pour moi, c'est de tout cœur. Voilà quoi. Je vous remercie vraiment pour ceux qui le font. Et voilà, les potes. Donc, voilà mon histoire de mes lives qui veut dire. Voilà pourquoi j'ai décidé de changer un peu de live. Dans les jours, hein, qui veut dire que vous n'avez pas capté que je fais plus de ça ni de ça, plutôt des concepts. Parce que quand on fait des concepts, les potes, les concepts c'est différent. Vous voyez pas des concepts en live de GTA V, du genre cache-cache véhicule avec les abonnés, police et voleur, top camouflage, etc. Vous voyez pas ça en live sur YouTube. Vous voyez pas ça du tout. Et du coup, c'est pour ça que je veux faire un truc différemment. Parce que on voit beaucoup de lives, de rassemblements, d'activités. Du coup, moi, je veux faire un truc différent. Et les gens aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Quand c'est policier voleur, il y a plein
de personnes qui viennent. Voilà quoi, il y a plein de choses qui arrivent, les potes. Il y a plein de choses. Et en plus, un petit bonus avant de la fin de la vidéo. Les gars, le bonus, elle est vraiment extraordinaire. Très bientôt, les potes, il y a un sacré projet avec la team Chris Boy. Ce n'est pas dans un jeu vidéo, hein. Voici l'indice. Ce n'est pas dans un jeu vidéo. Donc, c'est à vous de réfléchir. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de c'est quoi le projet. Haha, hey boy. Donc, voilà les potes. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Chris Boy Gaming. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Et ciao, ciao.